Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Let's Play sur Uncharted Legacy of Thieves. Je vais démarrer le chrono, hein, comme ça, on le sait. Ah, je peux même le mettre en rotation comme ça, c'est encore mieux. Allez, on va... Donc on s'était arrêté ici. J'ai pas joué pendant un ou deux jours, donc je vous avoue que... oui, on allait chercher le tombeau, sous la cathédrale. Attendez, parce que là, je dois aller où? Là? Ah oui. Oui. Alors. Hop, grappin. Là. Là par contre, j'avais vu que c'était là, ouais. À toi, tu crois que c'est dans tes cordes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai tout appris. C'est vrai ça. OK, vas-y, je te regarde. C'est pas le truc qu'on a utilisé avant? Ah oui, d'accord, OK. OK, je vois où il faut aller. J'avais pas vu, mais voilà, donc là normalement, pour vous on est samedi, pas pour moi, pas pour moi, on est vendredi, donc normalement vous avez probablement déjà vu la vidéo de comment on ferme toutes les warframes, j'ai mis énormément de temps à la faire, j'ai vraiment mis énormément de temps, je fais mon montage en 11h à peu près, vraiment genre 10h et 50 minutes, mais bon c'est à peu près 11h quoi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, été utile surtout. Et pour ceux qui ne l'ont pas visionné, n'hésitez pas. Voilà, c'est un guide assez complet pour faire toutes les warframes sur warframe. Bon, attends. Hop, du coup. Allez, hisse-moi. Super, merci. Voilà. Allez, hop, maintenant on est en haut. Non, ça peut probablement pas être par là. Attendez un petit moment pour apprécier la vue. Ça y est, le voilà. Le dortoir des moines. C'est beau. J'adore les paysages enneigés. Je trouve ça trop bien. Là, tu sais, c'est un petit peu de verdure, genre un petit peu. Ça fait un peu. Alors là, du coup, on est en Écosse, mais ça me fait trop penser. Bah, du coup, je sais pas. Non, bon, par contre, du coup, je sais pas, mais. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment genre printemps. Bah, non, en fait, ça fait. C'est bon, j'arrête mes conneries. Tu vas voir, Éthique. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon au bleu. Comment ça s'est fini? Combattez la révolte? Ah, bien ça! Il a réussi à la contenir. Mais une fois que l'argent s'est mis à manquer, ensuite gauche, on avait plus raison de rester avec lui. Et le général? Il a même pas passé la nuit. Vous êtes sans pitié, les gars. Comme dit Nadine, les affaires. Frérot? Ok. Oh, il m'a fait peur. Il a pas attaqué direct. Un peu de mine. On va marquer les ennemis en rien. La patronne. Ok. Petite barrière invisible. Oh, merde. Il y a un ennemi là-bas, là, ouais. Ok. Je l'ai vu, j'ai visé un peu au hasard, mais on l'a eu. En vrai, lui, si je pouvais juste le... Non, merde. Fallait évidemment qu'il regarde là, lui. Ok, oui, il s'est tourné. Non, t'as rien vu, mec. T'as absolument rien vu. Si tu penses avoir vu quelque chose, bah en fait, non. Pardon. Y'a un amateur par ici. Oh, merde. On n'est pas tout seul. Fais juste une sieste. Ah merde, encore un amateur. On sait que t'es par là. Bah mec, tu vois à travers les murs. Il y a ceux là-bas là, il faudrait que lui il avance vers moi. Ouais merde. Oh attends, on l'a pas marqué lui. Je le vois pas si je fais ça. Ok c'est bon. Le truc c'est que maintenant ils sont tous là quoi.
Si je vais le tuer lui, je pense que je peux pas. Là en bas, si. Lui il va commencer à me voir, mais on aura le temps de passer. Et je le tue lui. Voilà. Je pourrais juste tirer sur tout le monde, hein, ça passerait, hein, mais. On va dire, si on joue une charte et qu'on fait genre zéro phase en mode discrétion, c'est triste. Lui, je peux le tuer. Faut que j'aille tuer celui-là, là. Viens là, viens là, viens là. Voilà. Mais non, il faut juste tuer les deux ou trois. J'en ai peut-être pas. Oh Sam. Faut ça. Miam, 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 miam. Ok. Cachou, tête de nœud. Ah, lui aussi on l'a pas scan. Mais bon, s'ils font que des rotations comme ça, en vrai, je pourrais peut-être. Ah, je suis débile, j'aurais dû aller le. Ok. C'était risqué, ça, par contre. Il va revenir? Non, il revient plus. Mais là-bas en fait. Oh, je suis dans la merde. Il m'a vu là-bas. Non, il m'a pas vu. Mais ils vont tous venir. Ok, vous êtes prêts? Non, ils viennent pas. Bon. Bon. Voilà. Oh, il a un magnum. C'était obligé que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. Oh, allez, on se prend. C'est bon. Parce que du coup, c'est un magnum, ça one shot quoi. Ça va être pas mal si jamais on a un ennemi lourd. Ah, les ennemis lourds, ça one shot pas. Ok, donc tu peux continuer en bas, mais ça sert à rien. Ok. Un petit trésor, non? Voilà, bon, ça va. Là, juste derrière ces murs. Attends, si. Bah non. J'ai pas le choix de glisser en fait. Oh, what? On s'est vu ça one shot. Après, on a pas beaucoup de balles en vrai, j'aurais peut-être pas dû les gâcher. Allez hop, tu dégages. Mais du coup, là, attendez. Si on saute là. Non, 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 merde. Ah si, si, regardez. Hop. Sam, viens par là. Ah mais c'est peut-être pas par là. Mais si en fait, c'est forcément par là. Juste là on est vendredi. Il y a Dying Light 2 qui vient de sortir, je peux vous assurer, j'ai envie de torcher. Mais il faut que j'avance dans l'espèce, sinon sinon il y aura un gros écart là. J'ai vraiment envie de torcher, là je tourne 2-3 épisodes. C'est quoi pour recharger? Pas ça. Ok. S'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. C'est encore mieux que le saut à l'élastique. Parce que t'en as déjà fait du saut à l'élastique? Non, mais c'est évident, c'est mieux. Les répliques comme ça, j'adore. Ok.
Bah en vrai, ouais. Ça et puis me faire canarder. Ça aussi. Exploser, frapper, tabasser. Ok, ça va, j'ai compris. Poignarder, droguer. Là, on vient littéralement d'avoir toutes les rêves des anciens. Genre, c'est pas mal. Puis on a bientôt le film au cinéma, ça aussi, bien, bien. Même si du coup, je sais pas comment vous ressentez les choses, vous, mais faire un film sur genre, bon là c'est une quadrilogie, mais genre sur une saga ou peu importe de jeu. Généralement on est déçu en vrai. Généralement on est déçu. Enfin, je trouve que généralement c'est décevant. Parce que c'est pas les attentes que t'avais. Les persos, tu te les imaginais peut-être pas comme ça. Genre, quand je vois les acteurs là, t'as Tom Holland et tout. Tom Holland dans le rôle de Drake. Mouais. Mouais. Sachant qu'il est trop associé à Spider-Man, ça fait un peu bizarre, hein, j'avoue. Ça... On va se mettre de plus possible de ce côté-là. Ah mais il faut juste... Ok. Hop là. Yeah. Facile ça. On regarde les petits points comme ça, c'est typiquement le genre d'endroit où t'as des trésors. J'aurais peut-être dû regarder la porte. Mais bon, je suppose que si on peut monter par là, c'est parce que la porte est pas accessible. Ou alors parce qu'il y avait un trésor. Combien j'en ai raté? J'ai raté 7 trésors là depuis. Waouh. Waouh. Ok, j'avoue que j'ai manqué de vigilance. Mais c'est pas grave, ça de toute façon, comme je l'ai expliqué. Moi je fais les trophées donc de toute façon je. Bah. Je devrais refaire le jeu de toute façon pour faire platine. Sachant qu'il y a un truc, c'est. Terminer le jeu en 6 heures. Enfin en moins de 6 heures. Je me rappelle quand je l'avais fait à l'époque sur PS4, j'avais fait en 5h52 je pense. Ou 5h22. C'était un des deux. Mais c'était vraiment du rush pur, hein. C'était vraiment et typiquement pour les énigmes, parce qu'il y a des énigmes, hein, ça. Non mais t'as vu cet endroit. Moi j'ai cru que c'était. Pour les énigmes. Bah en gros il fallait vraiment que je regarde. Vous savez le coup parfait en fait. Comme sur le parchemin de la croix. Montre-moi. Mais les dates concordent pas. Bon, une de moins. Et encore un les dates. Donc c'est deux épées vers le bas. Déjà. Puis t'as le truc tête de mort en mode pirate. Et c'est 1659, 1699. Ok, on devrait le trouver facilement. Il nous faut les épées croisées, la tête de mort et les dates 1659, 1699. On trouve une tombe avec trois éléments et on est bon. Bon. C'est parti. Non mais là on voit même pas les dates. Voyons voir. Non. Non. Pas les bonnes dates. De toute façon, c'est noté Turner. Clark. Non, pas d'épée croisée. C'est pas notre homme. Ce sont les dates qu'on concorde même pas. Il n'y a pas de tête de mort là-dessus. Jolie croix celtique, mais c'est pas la tombe qu'on cherche. Ah bah. Au hasard. Ok, les épées correspondent. Au hasard. Et l'année aussi. Sam, viens voir. Tu l'as trouvé? Regarde, Benjamin Bridgman. C'est le pseudonyme d'Avry. Il y a un truc qui cloche avec ce crâne. Comme si c'était un élément rajouté. Bah oui, tu veux que je te dise ce qui cloche? C'est que c'est pas le sceau d'Avry. Ouais, voilà. En fait, ce crâne, il devrait... être de profil. N'empêche qu'il faut avouer que ça se voit un petit peu qu'il y a un truc caché, quoi, je veux dire. Comment c'est taillé?
trouve ça facilement, genre, fascinant, genre les trucs cachés comme ça, genre, chasse au trésor, je trouve ça incroyable. C'est une crypte. Une crypte. D'ailleurs, pour ça que j'avais kiffé faire les Tomb Raider aussi. C'est vraiment des bons jeux, des jeux comme ça. Pour cacher son magot. Bon, croisons les doigts. Bah ouais, mais du coup. Toute la bande est là. Ah. Ok, ouais. Il faut allumer tous ces symboles avec. C'est une porte, ça. Bon, j'ai mis qu'un seul. Voilà. Ouais, mais je vois pas comment l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ces symboles d'étoiles? Ça, c'est justement par rapport aux croix. Jésus, 10 masses à gauche, le voleur pénitent, guest à sa droite, le mauvais larron. Il a fait hé. Dommage. On dirait qu'Avry avait un petit faible pour Saint-Dismas. En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il ne pillait et n'assassinait que des barbares non britanniques. Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Ah bah. Pas mal. C'est quoi? Pièce dans demi-penny, quoi, c'est. Est-ce qu'on peut déjà les bouger ou. Non. C'est-à-dire qu'il faut checker derrière, je pense. Voilà. Voilà de quoi nous éclairer. Hey, le clopeur! J'ai besoin de ton briquet ici. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Alors que fumer, ça te fait un bien fou. Merci, Mère Teresa. La lumière se voit. Ok. Alors là, je vous fais le topo. En gros, on a une énigme. On va devoir aligner les lumières sur les points bleus. Bon, ça, c'est assez facile à deviner. On va prendre 20 ans. Ou alors on aura de la chance et. Je peux diriger les lumières. Oh, oh, c'est tellement clair. Ah, y voilà. Tu vois, de toute façon, il faut juste vérifier ce qu'on peut. Bah, celui-là, de toute façon, ça sera là. Hein. En vrai, j'ai rien dit, c'est pas aussi dur que ça en fait. Ouais, et puis. C'est bon pour celle-là. Et puis là, bah forcément, non? Bon, bah du coup, j'ai rien dit. J'ai rien dit, hein. Ouais. Ok, qui ne tente rien à rien. Honnêtement, sur Uncharted The Lost Legacy, donc celui après. Les énigmes sont incroyables. Magnifique cette vue, mais toujours pas de trésor. C'est vrai, mais est-ce que tu vois ces croix là? Ouais, mais est-ce que c'est une grotte juste en dessous? Ouais, je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. Mais on va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne là. Ouais. Non, ne le faisons pas attendre. On est à peu près à la moitié, on est à peu près à 19 minutes 30 là, je dirais. À peu près. Ok. Hop là. Merde. Ok. Oh, j'ai eu trop peur. Ok, alors là, je vous explique. Il y a un trophée, c'est de passer sans se faire voir. On va essayer, simplement. Ok. Donc il faut tuer personne et il faut pas se faire voir. Bam. En vrai, on peut tenter. Si jamais je me fais repérer, je les bute tous. Hein. Il y a pas de... Il abuse. Attends, il ne voit pas en fait. Ah ouais, en fait, il ne.
Avouez quand même que si je fais ça devant vous, vous me verrez en fait. Lui typiquement c'est un peu tendax parce que lui à tout moment il peut d'un coup péter un pont et nous voir. Ok c'est bon. Je pense que la clé de cette réussite c'est être patient. Merde, y'a un autre mec là-bas qui arrive là au fond. Je rebouge, bouge, bouge. Ah lui il y va, il s'en fout. Non, t'as raison, t'as raison. Oh. Allez hop, on lui grimpe dessus. Je peux pas. Il fait chier. Allez, 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 bouge-toi. Non, 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 non. Il nous bloque. Là, de cet angle-là, il pourrait nous voir. Hein. Mais lui, il va nous voir. Pas forcément vrai, on est au-dessus de lui. Ouais, s'il nous voit. Mais pourquoi je peux pas sauter là-bas, genre, je comprends pas. Ah, ouais, d'accord, ok. Je sais pas si ça compte ou pas, mais ils ont rien vu. T'inquiète. Non, non, attends. Du coup, je pense qu'on a, vous savez, un peu cassé les patterns, genre, parce que... Oh, c'est tant d'axes de ouf, attendez. Ok, lui à la limite, s'il se barre, on peut continuer là, je pense. Ah bah non, en fait. Ah ouais, lui, regarde bien par ici. T'inquiète, mon pote. Ils font exprès de se mettre juste là, ou... Je pense qu'on peut aller par la gauche. Allez, dans le doute. Non, frérot, t'as... ça bouge pas, c'est le vent, tu vois pas, il y a beaucoup de vent, vraiment. Ouais, t'as raison. Mais on doit aller là-haut? Mais on n'y arrivera jamais, c'est... Non, non, juste continue d'avancer comme ça. Voilà. Non! Mais non, on doit tuer tout le monde. Non. Mando, tu es en train de mourir là. Je me mets là, ils me verront pas. Ah oh, ouais, si, ils voient que moi d'ailleurs. Ok. Voilà. J'ai un connard rien que pour toi. Allez hop. Bon, t'es techniquement on tue notre frère avec, hein. Y a pas de. Bon allez. Fini de jouer. C'est bon? En fait, le seul truc qu'il aurait fallu que je fasse, c'est je dirais que venir ici en fait. Je pense qu'en fait. Ah non. Non, on se serait fait repérer. On se serait fait repérer si j'avais. Non.
On se serait fait repérer parce que le temps, vous savez, d'arriver à la porte et de monter, on se serait fait. Ouais, non. Ce serait pas passé. Bon, de toute façon, ça. De toute façon, je suis pas pressé non plus pour. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la constellation. Ouais, c'était cool. Là, je vérifie quand même parce que. Bon, c'est des endroits un peu bidons. De toute façon, c'est généralement dans des endroits, tu sais, un peu débiles où tu dis, bah. C'est un peu obvious, donc ça sert à rien de mettre là. Que y en a en fait. Là, on monte. Bah, je suis pas allé en bas parce qu'il me semble qu'il y a rien, mais. Ah, mais si en fait on peut grimper de en bas. On peut grimper de là aussi, donc bon, pour ce que ça change. Juste là, sous cette grande croix. C'est là qu'on vit. Je vais le redire parce que j'adore le dire, mais c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Petit, c'est quoi la situation ? Oh, il y a ce lit encore, j'ai oublié. On continue à suivre la piste, mais le trésor est plus près de la cathédrale que ce qu'on croyait. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Bah, t'as qu'à laisser tourner les moteurs. On sera de retour dans pas longtemps. Non problème. Tiens-moi au courant. Ça marche. Allez, c'est bon, on peut sauter maintenant. Là-bas. Poutre et tous ces autres trucs là-haut, ça m'étonnerait que ça ait été juste par lui. Patrouille droit devant. Ouais, je les entends. Ah, ok, c'est pour ça qu'il s'est mis accroupi. Bah là, je pense qu'on peut de toute façon y aller. Ça devient très agité par ici. Tu devrais apprécier les temps calmes plus que n'importe qui d'autre. Faudrait mieux éviter qu'on nous attribue un nouveau port Moresby. Et si tu parlais de ce que tu connais, hein? Aujourd'hui, on appelle n'importe quoi un massacre, juste pour faire le buzz. On a pas... Oh non. On... Ouais, on risque pas de retrouver de guns comme ça, non. Ouais, et plus on approchera de la cathédrale... Faut quoi, une courte échelle ici. Hein. On peut sauter de là, jusque là-bas? Ouais, littéralement. Attends, j'ai trouvé une échelle par ici. Ok, j'arrive. Ok. On en a raté un en plus. On a encore raté un trésor. Il y a un autre. Hop là. C'est moi qui te fais la courte échelle. Voilà. Viens, je vais te faire monter. Ok. Évidemment. Ouais, du coup, je reste là. Attends deux secondes, je m'accroche. Je vais aller voir ce qu'il y a à côté de la structure en bois. Hé, hey, j'ai trouvé quelque chose. Putain, c'est lourd ce truc. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je te prépare. Un moyen de monter. Ça devrait même supporter ton poids. Ah, merci. Allez hop. Tchon. Est-ce que tu crois que c'est les moines qu'on construit ça? Non, je peux pas donner encore. C'est un genre de système de poulie, genre pour soulever un gros. Ouais, OK. Merci. Quelque chose. Comment j'ai pu passer à côté? Bah, faut croire qu'on était destinés à le découvrir ensemble. Oh, non, on l'a traversé hein. Je pense qu'on l'a traversé là. Bon. C'est pas. Je vois pas où. Si, si, je vois. Voilà, ouais. Hey, on peut grimper par là. Ok, j'arrive. Ok, bon, en vrai là c'est juste du parcours. Hey Sam,
C'est plutôt chill, hein. Ouais, économise tes forces, hein. On en a pas encore fini. J'espère que ça va tenir. Yep là. Là. Ah bah oui, évidemment. Non, les petits morceaux de neige là. Je suis là en bas. C'est la falaise là. De la falaise là. Et ça nous laisse place à celui-là. Je peux pas te rejoindre d'ici. Ah oui, ok, bah, comment ça? Et voilà. Comment tu t'en sortirais sans moi? Sûrement à la maison, à boire du chocolat chaud. T'as quel âge? 5 ans? Oh, me dis pas que tu ne boirais pas un bon chocolat chaud, là. Ouais, bon, c'est sûr. Exactement. Voilà, leur petite discussion, là, comme ça, c'est pas mal. Ok, bon, du coup j'ai fait une légère ellipse, vous la sentirez à peine, c'est... Voilà. Ah, j'ai oublié de faire reprendre le chrono, bon, c'est pas grave, allez hop. Elle est juste là. Ouais. Y a pas de chemin le long de la... C'est là qu'est la grotte. Bon, on va couper par les terres. Ouais, bonne idée. Enfin, bonne idée peut-être pas, hein. C'est jamais une bonne idée. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps, je pense qu'on aura le temps d'aller à la grotte et peut-être de voir ce qu'il y a dedans. Une petite phase de nouveau avec des... On est plus très loin. Bam. C'était trop tentant, c'était beaucoup trop tentant. Bon, allez hop. Oh, comment ça? Ok, ah ouais, je mourrais. Je meurs exactement au moment où j'allais me barrer, évidemment. Hein. C'était à couvert pour... Ouais, bah, ça j'ai compris. Ok. Non. Oh, je peux pas remonter? Ah si, ok. Chaque fois ça me fait peur, j'ai l'impression de tomber dans le vide. Ça va être dur de pas se faire repérer. Hein. Ok, je change toujours de chemin. Merde. Je m'en t'arrive, frère. Merde, c'était quoi? Ratisse la zone pour être sûr. Ok. Bon, avouez n'empêche que ce mec là, il est censé nous voir. Oh, j'ai fait le con. Oh, alors là.
Je vérifie quand même. Il fait assez sombre dans la grotte là. Pardon. Pourquoi ? Ok. Il est mort ? Il est mort, ok. Il reste plus là. Par contre, le fusil à pompe, peut-être pas le garder en rien. Puis on a Max de ce côté-là. Là, on peut pas faire courte échelle ? Ah, tu veux pas qu'on fasse courte échelle ? Non ? Ok, bon, on le fait pas. Où est-ce que je suis censé aller ? Ah, ben en bas, en fait. Ouais. Ah, il avait le baroque de nouveau. Bon, on va pas le... On va pas le prendre. Attention, ça pourrait devenir instable après l'explosion. C'est efficace en réalité de creuser avec la dynamite. C'est le seul truc qui faisait tenir le tunnel. Dans ce cas, je m'excuserai. Ok, tiens-moi les. Voilà. Et hop. Ok, ok. Tu trouves que ces trucs ont l'air solides ? Ouais, ça devrait le faire. Bah, de toute façon, regardons. On teste. C'était solide. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait se dire. On a quasiment la fin là, attends. Oula, ça c'était chaud. On peut sauter ça là ? Merci. Ok. Ah. Ok, tout va bien. Tout va bien. Y'a tout qui a failli se casser, genre littéralement, à chaque fois qu'on a passé un truc. Bon, là en dessous y'a forcément un truc. C'est... bah, apparemment non. Ah si. Ouais. Des ciseaux. Et on a encore manqué un train. Je vais arrêter avec ça parce que. La tempête se lève, vous avancez bien ? Ouais, ça va. On est bien avancé en vrai. Dans la grotte ? Oui, on risque de perdre le contact un petit moment. Mais t'inquiète pas. Ok. Alors je reste en stand-by. En stand-by ? On se contacte très vite. Ce qu'Avry nous a laissé. Ces enfoirés de Shoreline étaient juste à côté de cette grotte. Ouais, je crois qu'on est les premiers à aller à l'intérieur. Ah ouais, si on aurait déjà vu des caisses, des armes et tout ça. Hop hop hop. On va pas sauter. Approche. Viens voir ça. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le qu'on voit. Quoi ? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas. Ça pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Te fais pas prier. Crochet. Allez, on y va. T'es sérieux ? Nous y voilà. Plutôt sympa la déco. Alors que le paradis se destine au valeureux sol,
Les cœurs infidèles n'auront eux qu'un linceul. De toute évidence, Avery était meilleur pirate que poète. Sauf que c'est pas d'Avery. Comment ça? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew. Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avery. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Eh oui. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment? Très bonne question. C'est qui ces types d'après toi? Ça, ça m'a fait peur aussi. Bon, on va s'arrêter là, on est déjà à 41 minutes en vrai. On est à un bon endroit. Chapitre 9, donc on fera le 9, probablement le 10 aussi je pense. Et puis voilà, sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi je vous retrouve demain, et ciao tout le monde.